une raison qui fait me venir là, c'est histoire cacao. Parce que expliquez-moi là, c'était un désert, il était. Comprenez ça ça veut dire? Un désert. Histoire ça yo, c'est en Israël, mon contendé yo. Côté israélien a transformé désert en ferme ou bien en espace agricole. C'est exactement ça qu'a fait là. Donc à bout que yo pas comme si développé oui, en hauteur mais yo plus élargi yeah. c'est une raison qui fait que nous utilisons technique ça tout c'est pour éviter que nous fassions pète mm-hmm. Parce que à chaque fois que yo annonce cyclone nous t'es gain zabouka nous t'es chargé nous va prendre une graine même pied zabouka nous avons perdu net tout parce que depuis vent balancé il cassé donc là cyclone qui était passé avant et avant venté mais tout zabou pied zabouka arrêté normal OK. Donc ces avocats qui commencent tout abdonner tout. Mm-hmm. Okay. Mais est-ce que son type avocat bien spécial ou bien variété? Non, variété. Donc son variété qui non, c'est pas, non, c'est même avocat qui baille comme si ab géant que nous te connais. Mais qui j'en fait ça lui-même c'est parce que nous est modèle. Ah, ok. Et modèle c'est. C'est dire que nous taille tête les. Ok. Nous taille tête les et puis nous balle forme. Pour l'élargir. Ça dit même j'ai un truc pour brin ça ouais qu'à monter si le décide il t'apprend comme si ça se pour monter comme ça nous capable. Ce soit nous aller descendre ou bientôt nous éliminer. Donc là ça veut dire que si les avocats peuvent commencer à donner en quantité parce que là ils commencent à donner mais à partir de l'autre année tout pied yo a donné normalement. Là ça vous capable camper à terre avec les avocats normalement. Et si gain vent tout au pas perdu et après gagner riche qui c'est riche simple mais après gagner tout qui paraît pipiti OK c'est ça nous les richettes c'est les pipiti les mêmes et puis n'a regarder tout côté nous ouais gagner riche tout qui gagne youn qui ont l'autre souli encore OK OK ça c'est ça nous les riche complet qui différence qui gagne OK ça qui gagne ça dit nous gagne une base un corps avec une hausse ça dit corps c'est partie en bas hausse là c'est ça qui souli donc ça c'est un riche complet OK OK ça nous pour contre les mêmes qui gagne en couverture mais qui vient même dimension avec les ans ça c'est une ruche comme si normal OK et puis avec ça qui pipiti hein donc à regarder dimension nous pipiti c'est une ruchette okay. Alors chaque gagnant travaille par eux il gagne moment pour nous utiliser okay. Dans quelle dimension alors dans qui phase OK yeah. Par exemple ta ruchette là pour utiliser ruchette là c'est là que vous faites prendre un essaim. Et séance, c'est là que nous avons dit abeille en lien, il a des petites. Ok. Ok. C'est-à-dire que là, on va prendre, on mettait dans une ruchette. En attendant que les commencent à l'aise en dans la ruchette. Non? Et puis après ça, on transvase dans une ruchette. Et puis tout, on est capable de mettre dans la ruchette une colonie qui ou est faiblie. Une colonie qui est vraiment en force, qui est en forme. Okay. Et puis par rapport avec ton attaque insecte ou bien le problème qui cause ou elle a faibli. Et bien pour pas perdre colonie ça, on mettait dans un espace qui est fermé. OK? Parce que tout autant que dans un espace qui est grand, il y a possibilité pour insecte rentrer dans l'espace là. Okay. Okay. Mais une fois que l'île dans l'espace qui est fermé, c'est comme si on a dit il vient en pile dans l'espace qui est fermé. Okay. Donc, on va utiliser ruchette là. Roslan qui l'a utilisé. On utilise roslan lui-même, c'est là que corps il commence full. OK? Corps a commencé full. Ou utiliser et puis tout reine dans les mêmes qui en bas dans corps il commencer à prendre pour pas monter pour là pour capable jeune siro c'est dans hausse là pas jeune siro. Y
une raison qui fait me venir là, c'est histoire cacao. Parce que expliquez-moi là, c'était un désert l'été. Comprenez ça ça veut dire un désert. Histoire ça yo, c'est en Israël, on entendait yo. Côté israélien a transformé désert en ferme ou bien en espace agricole. C'est exactement ça qu'a fait là. Ça veut dire là, c'est cacao qu'a fait là. C'est presque un forêt qu'il a. Donc, agronome lundi pour aller expliquer nous exactement comment miracle ça fait arriver là. Nous dit 4 ans de cela, donc espace ça, c'était un espace qui était vraiment désertique, ça veut dire que pas de pied bois dans l'espace ça du tout. Sauf deux ou trois pieds chênes qui étaient pas derrière. C'était un espace première fois que l'aime vienne avec équipe terrain et me désire donc nous va faire un travail là, nous va regarder pour commencer préparer sol là pour faire un travail. Donc à partir de 10h, donc on va chercher ouvrier ou pas parce que l'espace là si tellement fait chaud. Ouais. Et courir. On voit monsieur courir avec picoire dans dos parce que pas arrêter sur l'espace là. OK. Donc nous capable dire que le premier travail que nous avons fait là, nous avons fait un chou, nous avons planté un chou sur l'espace là. Et puis soleil, la chaleur, c'est vraiment fait que rendement que nous avons espéré nous pas de. Et puis après ça, nous dit que nous travaillons sur une terrasse vétiver, parce que nous faisons toute terrasse avec vétiver, pour nous conserver le sol là, parce qu'il y a en pente. Et puis après ça, que nous venons avec deux variétés, qui c'est Glycidia, ok, et puis les sénats. Donc c'est des variétés comme si pieds bois qui développent rapide, extrêmement rapide, et une façon que pour nous commencer à diminuer la quantité de chaleur qui était sur l'espace. Et puis par la suite, on dit que nous avons commencé avec production cacao sur l'espace. Donc un peu le monde est étonné par rapport avec les gens qui connaissent le sol. Tant que les gens nous disent bon, que nous un sol qui grison, c'est-à-dire que les gens ne pas imaginer que nous avons fait rien. Et puis, après 2 ans, que un peu le monde qui pas de visiter l'espace là pour aller étonner ouais comment que l'espace là vient transformer. Et puis c'est ça que moi l'aime parler d'espace là, moi parler de un écosystème de référence. Mm-hmm. Ok, parce que là dedans moi gagne plusieurs comme si et moi gagne une diversité. Ok, parce que moi gagne plusieurs variétés en pile d'autres espèces là et on va regarder tout c'est un espace peut-être la journée là vient là autant de plus comme si plusieurs qualités tous oiseaux tout chanter tout dans l'espace là parce que l'espace là il attire yo parce que il est par rapport avec couverture végétale là c'est ça. Donc pour le moment là que nous avons dit que nous gagnons en pile cacao sur l'espace là environ 2500 pieds cacao et nous gagnons en pile cacao tout qui commence à donner tant que j'entends nous regarder là n'a commencé à fuir là après cacao là et nous commencer tout récolter cacao et donc nous gagnons tout objectif tout pour nous transformer cacao. Donc, c'est ça que nous gagnons, ferme la gagne en gros comme objectif pour et plantation et production de cacao. Mais système d'irrigation ça, il nous conduit là. Oui. Nous conduit système d'irrigation, quel que soit côté, nous avons besoin de l'eau. Donc nous-mêmes personnellement, nous conduisons. Parce que nous avons gardé notre système d'irrigation que nous conduit de l'eau avec PVC. Ok, quand on a le capté et puis nous conduit la PVC pour nous arroser. Donc pour jardin maïs ça que nous avons pivot là, c'est à PVC nous conduit système d'irrigation pour nous arroser. Yeah. Agronome lundi, vraiment, nous vraiment remercions et toute équipe Voirizoa, merci. Et je pense en pile monde qui a regardé ça. Ça, c'est un exemple de bon bagaille qui a fait dans le pays. Un exemple en pile l'autre côté qui a reproduit. C'est exactement ça. Montre que il y a des bagailles qui sont possibles, il y a des bagailles qui a fait. Et Agronome lundi, c'est un monde qui a fait causer. Et ferme ici hein, qui sont fermes de référence, on ferme dans le département sud-est hein, qui c'est une ferme de référence et c'est une ferme qui montre comment ou qu'a améliorer l'agriculture, comment l'on associe recherche, la science, l'ICABOR, sort là. Merci encore à Agronome lundi, le gros merci et c'est un plaisir, nous espérons l'autre le n'a fait moun ouais, beaucoup plus de bagaille ici. Hein. Merci beaucoup.